Et bonjour à tous, c'est Wotan et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apescape. Et on se retrouve du coup dans ce niveau qui est littéralement énorme dans lequel on s'était quitté la dernière fois. Alors juste petit récap, hein, donc 3ème monde, 7ème niveau, donc château à trucs. On a déjà attrapé 6 singes sur 20, donc il y a quand même de quoi faire. Et on a donc une pièce spectre sur 4. Et je vous rappelle que l'objectif est d'attraper... On va déjà attraper celui-ci. Voilà. Donc l'objectif est d'attraper donc Spectre qui est caché quelque part au niveau de ce château qui est littéralement immense. Et c'est parfait, on va pouvoir y aller. Non, tu veux pas t'ouvrir. C'est pas grave. J'ai entendu un singe quelque part, un singe récalcitrant. Il doit pas être très loin le bonhomme. On va regarder ici. Sachant que ici c'est, je vous rappelle, c'est où on était. On était juste en bas. Allez, ne tombe pas, ne tombe pas. Non, je vois rien. Je sais pas trop où il était. Alors après, si ça se trouve, hein, vous avez vu comment il est énorme le niveau. Il me manque peut-être des gadgets. En tout cas, pour l'instant c'est pas trop grave. On va déjà faire... Allez, allez, voilà, tu peux le faire. Oh, allez. On va déjà s'occuper de l'interrupteur qui est ici. Qui nous a donc permis d'activer, comme vous avez pu le constater, différentes petites plateformes. Alors, non. Sinon, ici, on risque d'avoir des problèmes, n'est-ce pas ? Je crois qu'elles sont par là. Allez, c'est parti. Ah bah, elles étaient juste là, les plateformes. Voilà. Excellent. Écoutez, c'est pas trop grave. Hein. Ça nous a permis de gagner un tout petit peu de temps. Même si j'ai perdu un peu de vie. Donc, on enchaîne. Hein. On a attrapé, comme vous l'avez vu, notre 7ème singe tout à l'heure. Tour d'horizon quand même rapide. On met les voiles. J'ai pas envie de me faire attaquer. Et donc, ce chemin ici n'était pas accessible la dernière fois quand on est passé. Écoutez là, le King... Aïe, le King Monkey qui est juste là. On va s'empresser d'aller le capturer. Viens par ici. Alors comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Les singes sont toujours aussi récalcitrants. Je ne parle pas des ennemis. Trop tard. Voilà, forcément. Saleté, saleté d'ennemis. Alors je supporte pas ces ennemis en toupie. Je sais pertinemment qu'il y a une possibilité de les neutraliser, mais ils sont vraiment chiants. Sachant qu'en plus, voilà, le problème c'est que vous passez, vous allez passer trois quarts d'heure à neutraliser les ennemis. Voilà, un singe de plus. Déjà lui, il va arrêter de nous embêter. On va continuer de suite. Alors il y a un singe là-bas. Ce qu'on va faire, on va se mettre là. Pourquoi tu veux pas faire la vue? Ah, je préfère. Je suis pas sûr de pouvoir le faire tomber. On va tester quand même. Non. Le singe récalcitrant. Non, il ne tombe pas. C'est pas grave. On va aller le chercher. Oh, on est retombé sur la plateforme. Heureusement. Voilà. Alors, un singe de plus. Tout ça, c'est très bon. On va passer par ici. Comme ceci. Alors, attendez. Oh, tu veux pas changer les vues, hein. Décidément, t'es chiant, hein. Alors, on va aller déjà aller chercher notre jolie pièce Spectre. Juste ici, avec la caméra qui fait des siennes. Merci. Le filet. Un singe supplémentaire. Alors vous avez vu, au niveau des singes, on enchaîne pas mal quand même. C'est vrai que ça peut paraître... Ah, enfin. Ça peut paraître un peu long parce qu'il y a quand même énormément de singes à attraper. Mais énormément de niveaux vers la fin. On vous demandait d'attraper une quantité de singes vraiment impressionnante. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avoisine très facilement les une vingtaine de singes par niveau. Comme celui-ci d'ailleurs, hein, dans ce niveau-là, on a 20 singes à attraper. Alors, comme d'habitude, tour d'horizon, on perd pas trop de temps avec les bonus, même si l'idéal ce serait de récupérer une vie.
On verra ça plus tard, n'est-ce pas? Allez, viens par là, toi. Tu peux pas aller très loin. Yes! Et encore un de plus, donc on enchaîne pas mal. Allez, tant pis pour le bonus. Ici par contre on va pas perdre de temps parce que ils sont vraiment chiants les tours, les ennemis tourniquets là. Yes. Alors, juste une vérification. Est-il possible de changer la vue? Il y a un passage là-bas et un passage ici. On va commencer par venir ici. Hop, comme d'habitude, le petit tour d'horizon, vous commencez à être habitué. Alors, non, il veut pas m'emmener jusqu'au bout, c'est pas grave, on va faire autrement. Allez, let's go. Youhou. Allez. Non. Ok, j'ai cru qu'il allait m'attraper, enfin m'attraper, me toucher avec sa boule de feu là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok. Et un singe de plus. Alors, ici... Non, la caméra ne veut pas se placer correctement. Ah. Naturellement, il a fallu que je la rate, celle-là. Hein? Bon, c'est pas trop grave. On va récupérer les bonus qui sont là. Alors, ça, c'est chose faite. La vue qui ne veut toujours pas changer. Allez, roulez jeunesse. Ok. Alors, une pièce spectre supplémentaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Toi, tu vas pas passer à la guillotine, mais je préfère t'attraper. Voilà, comme ceci. Et donc, encore un singe d'attraper. Oui, effectivement, le coup de filet... C'était pas le mieux. Alors, ici, on va déjà récupérer un tout petit peu de vie avant de taper l'espèce de mini-boss qui est là. Où est-ce qu'il est? Allez, vas-y, mets ton coup d'épée dans le vent. Voilà. Hop. Alors, fonctionnement très simple, IA très très bête. Ah, je l'ai raté quand même. Hein. En gros, il faut laisser taper. Voilà. Et quand il essaye d'enlever son épée du sol, vous lui remettez un bon petit coup d'épée dans la face. Voilà. Alors il faut le toucher quand même pas mal de fois. Je crois qu'on est déjà à 3. 4. Ah mais c'est 4. Je croyais que c'était 5, mais c'est 4 fois. Allez. Excellent. Tiens, on récupère la vie qu'on a perdue tout à l'heure avec le petit fail. La porte est donc la suite du niveau... Elle est enfin disponible. Alors, on récupère déjà tout ça. Là aussi. De la vie, on va en avoir besoin. Et on enchaîne. Ok, alors, comme d'habitude, un chemin dans le fond qui est là-bas. Ici, comme d'hab, je vais regarder. Mais c'est vrai qu'avec les caméras, c'est quand même pas le plus simple. Le trou noir béant. Donc, on ne va pas y aller. Alors, chauve-souris, laisse-moi tranquille, si c'est possible, bien évidemment, si ce n'est pas trop demandé. Allez, interrupteur de fait. Ici, notre ami le singe. Allez. On s'empresse de faire le tour, hein. On va pouvoir revenir... j'ai un doute. Ouais, j'ai un doute. J'ai bien fait de regarder. On va repasser par ici comme ceci. Allez faire un petit coup de trempette. On va déjà aller attraper ce singe là qui est en état d'alerte. Vas-y. Yes. Allez, remonte à la surface. Voilà. Donc un singe de plus d'attraper. Donc vous avez vu au niveau des singes, on enchaîne quand même pas trop mal. J'espère qu'on va la voir avant qu'il nous voit, vu qu'on est la tête sous l'eau. On va tester, hein. Tiens! Yes! Bon, c'est bon, lui est attrapé aussi. Alors, vous avez vu, il y a des chemins dans tous les sens. Hein. L'air de rien, on avance énormément sur la capture des singes. Et il nous en manque encore 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manque encore 5.
Donc l'air de rien, il y a pas mal de boulot à faire. Un niveau qui est très long. Non, tu glitches. Non, c'est bon, il glitche pas. Pour notre plus grand bonheur. Et du coup, on va pouvoir aller attraper l'autre singe qui était donc derrière la grille qu'on a vu tout à l'heure. Allez, remonte, 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 remonte. Ouh, ça va être juste. C'est juste, mais c'est passé. Et on enchaîne. Parfait. Ah, il va m'obliger à sortir mon bonus, lui. C'est pas grave. Alors, gadget. Hop, on change. Retour. Eh ben non, il veut pas. Allez, dépêche-toi. Non. La blague. À ce rythme-là, ça sera plus rapide de passer par l'eau, hein, n'est-ce pas? Allez, voilà, tu te mets bien dessus. On accélère. Et on est passé. Bah, allez donc. Alors, il y a quand même des chemins un peu partout. On va passer par ici. Alors, une chauve-souris au loin. J'ai juste pas envie qu'elle m'embête. Normalement, elles sont pas trop chiantes, les chauves-souris. Dans l'ensemble, ça devrait le faire. Allez hop, un petit coup de trompette. On passe de salle. Alors, on va éviter de tomber. Je crois qu'on est revenu. Ouais, on est revenu au niveau de l'extérieur. Donc c'est parfait, ça me permet de vérifier tout ce bazar. Ouais, effectivement, il veut pas que je passe par là. Bon. C'est pas grave, petit coup d'accélération. On retourne au niveau de l'entrée. Allez, saute! Saute et cours, Forest. Forest, normalement, il fait que courir, n'est-ce pas? Mais pour nous, il fera les deux. Il va courir et sauter. Ok, on est à deux retours à l'entrée du château. C'est parfait. On a juste à repasser la grande salle. Comme ceci, la salle du trône. On va remonter directement ici au niveau des escaliers. Hop, allez. Rien de compliqué sur ces sauts-là. On repasse avec l'épée. Ah, non, 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 bah oui, j'ai la tête en l'air. J'ai la tête en l'air, dis donc. À mon avis, vous avez dû me voir aller dans le chemin qui était pas le bon, vous avez dû vous exciter. Mais non, c'est pas par là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que ce niveau est tellement immense que même en le connaissant, franchement, on peut tellement, mais tellement se perdre. Et pourtant, je le connais le niveau, hein, mais il est, voilà, il est grand, il y a du monde. Oh là 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 là, j'étais pas sur le bon gadget. Il y a du monde, il y a un peu de stress, et voilà pourquoi il y a eu une jolie bêtise. Allez, dépêche-toi là. Hein. Cette fois-ci, on va éviter ce fail, on va passer directement par ici. Et bien évidemment, je vais faire en sorte d'avoir le bon gadget sur moi dès le départ, sinon le résultat va pas être très satisfaisant. Ok, allez hop. Nickel, elle est où la plateforme? C'était quand même pas compliqué de faire ça, nom de nom de nom. Alors, hop, on va là-bas. Bon petit coup d'hélico. Sacré saut. Non, bah naturellement, pile au moment où j'apparais, enfin où j'atterris. Oh là là, mais vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Oh là 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 là. Bon les amis là, un petit peu la tête en l'air. Un petit peu la tête en l'air, pourtant je sais pertinemment qu'il ne reste pas forcément une multitude de choses à faire. Hop, donc on est bien d'accord que c'est par là, n'est-ce pas? Allez, on retourne sur la porte qui est ici, on va finir par y arriver.
On va éviter surtout de refaire du fail et de reperdre des vies. Hein. Ici, on s'embête pas avec cette plateforme. Et ce qu'on va faire... On va faire un petit truc que j'avais pas fait tout à l'heure d'ailleurs. On va aller ici directement. L'air de rien, j'étais passé à côté d'un singe. Voilà. J'ai failli l'oublier, donc ça tombe plutôt bien. Comme quoi, de temps en temps, les fails peuvent servir. Parce que là, ça m'a permis quand même de me rappeler qu'il y avait un de nos amis. Yes! J'ai réussi à rattraper le coup. Qu'il y avait donc un de nos amis juste ici que j'avais oublié. Donc ça tombe plutôt bien. Donc le boss ne réapparaît pas. Allez, cours, 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 cours. Alors, pas de bêtises, hein. Cette fois-ci, j'ai eu mon quota de conneries. Hop. On va quand même se mettre sur l'épée, hein, parce que s'il y a de l'ennemi, que je puisse quand même réagir. Et ici, je ne peux pas réagir. Ok. Alors, on redescend par là. Et on va retourner là tout à l'heure où on a attrapé un des singes, juste après. Non, laisse-moi. Voilà, on retourne ici. Non, c'était pas là. Vous voyez, hein, pourtant on l'a fait tout à l'heure ce passage, hein, mais là ça va. Même comme ça, j'ai failli repasser à côté du chemin et le rater. Allez, oui, oui, tu peux le faire. Voilà. Parfait. Alors, chauve-souris, encore une fois, on va la laisser. Alors ici, par contre, on va bien s'amuser. On va déjà ramasser... Allez, tu glitches pas. On va ramasser un peu de vie, essayer de... Et forcément... J'ai pas réussi à atterrir comme il fallait. Alors, vous savez quoi? On va accélérer le rythme. Et on va y aller comme ça, tout simplement. Allez, remonte. Voilà. Allez. J'ai pas réussi à faire mon petit hélicoptère. Il veut pas. Et il retombe. Ah là 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 là, c'est en train de me faire rager. Allez, on va essayer de se calmer un tout petit peu. Ça va le faire. Hein. Ah nom de Dieu. C'est quand même quelque chose là. Hein. Allez. C'est parti. On ressort la tête de l'eau. On y retourne. On va essayer de pas être embêté par nos amis les chauves-souris. Ou pas nos amis d'ailleurs. Oh là là, non mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar les amis, je vous le dis. Vas-y, voilà. Tu vois, c'est pas compliqué hein. Allez, remonte. Oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. On est juste à côté. Allez, remonte la tête. Remonte. Allez, 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 yes! Eh bah dis donc les amis, il était temps, comme on dit. Changeons de pièce. Alors, comme d'habitude, tour d'horizon rapide. On se dirige par là de suite. Ok, pas de soucis par rapport à ce passage. On va grimper tout de suite ici, dans les escaliers. Oh l'enfoiré! Il est stuffé, il est stuffé. Alors, on va se mettre sur notre petit bonus. Ouh, c'était original ça. La roue qui disparaît comme ça, dis donc. Allez, viens par là. Viens par là. Voilà. Pas trop tôt. Allez. Un singe de plus. On active ça. Alors vous avez vu, il y a une jolie pièce spectre juste là. On va faire en sorte de la récupérer. Et il me reste plus qu'un de vie, dis donc. Alors, étudions un peu le terrain. On va passer par ici. Voilà, effectivement, je confirme, je ne m'embête pas. Hein. Vous avez vu que vous pouvez y aller directement sans vous embêter à faire la multitude de sauts.
Dis donc toi. C'est que t'es passé à la trappe là tout à l'heure. Non, reviens par ici. Allez, on va aller attraper de ce pas. On a quand même un singe supplémentaire à attraper. Où est-ce qu'il est parti? Saleté de singe. Il n'y a pas d'autre mot, saleté de singe. Alors, écoutez, hein. À la guerre comme à la guerre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est là. Ok. Bon. On va la jouer fine. Non, on va garder ça. On va la jouer fine. Non. Vous êtes en train de participer et de constater ce qu'on va appeler l'épisode maudit. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Oh non! Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On est en train d'effectuer l'épisode maudit, les amis. Alors là, c'est laborieux. Écoutez, on va quand même l'attraper celui-ci. Hein. Il n'y a pas de négociation possible. On a quasiment tous les singes. Je me demande d'ailleurs si on n'aura pas tous les singes après avoir attrapé celui-ci. Ce qui serait... Non ! Mais c'est un truc de malade. Il a réussi à anticiper ma réaction. C'est un truc de fou. Pourtant, j'étais quand même bien loin avant de lui tirer dessus. Hein. Non, j'étais dessus. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il s'est rebarré ou pas? Ok, très bien. Bon les amis, on va faire quelque chose. Je vous propose une toute petite ellipse. J'aimerais quand même aller à la fin de ce niveau. Bon, nom de Dieu, non, nom de Dieu. Ah, sauf s'il revient nous voir. S'il revient nous voir dans ce cas-là. On va l'accueillir très sagement et on va laisser tomber l'ellipse. Eh ben non, c'est bien ce que je dis. Quand je dis que c'est l'épisode maudit, c'est pas pour rien. Je vous propose une toute petite ellipse. J'attrape cette saleté de singe récalcitrant. Et je vous dis à tout de suite. Et re les amis, ça y est, enfin, j'ai attrapé ce dernier singe récalcitrant qui me manquait, qui arrêtait pas de tourner en rond. Donc ça a été une petite galère. Bon, de toute façon, le singe, vous avez vu où il était. Donc ça servait à rien de faire ça pendant 5 minutes en vidéo. Et juste pour info, donc le dernier singe qui me reste à attraper, il est juste ici, mais il nous manque un gadget. Donc on verra ça plus tard. Et pour info, je suis revenu en haut du château avec cette porte qui s'est ouverte, comme vous avez vu précédemment. Ce qui va nous permettre tout simplement de continuer le jeu et d'avoir droit à un joli combat contre un boss. Quelle surprise! Venir de si loin! Spectre? Buzz? Buzz? Ton plan se déroule-t-il bien? Oui. Nous contrôlons la quasi-totalité de la ville. Bien. Rentrons dans le présent. Ok. Attends. Je peux pas te laisser partir. Désolé, Spike. C'est pas le moment de s'amuser. Nous réglerons ça plus tard. Tu ne paies rien pour attendre. Seulement si tu sais jouer et gagner. Bon, bah notre capture de Spectre sera remise donc à plus tard. Et nous voici en combat contre donc ce joli boss. Oula, cours, voilà. Donc la technique, il n'y en a pas 50. Il faut éviter ses coups. Et lorsqu'il va enfin se décider... Aïe. À donner un coup par terre, voilà, on peut le toucher. Alors on va éviter de se refaire toucher comme je viens de le faire à l'instant. Bon, ceci dit, j'ai quand même réussi à l'avoir une fois. Hein.
De mémoire, vous devez le toucher 4 fois avant de réussir à venir à bout de ce boss. Allez, bon bah très original, il se met à marcher au lieu de courir, c'est pas trop grave du moment que j'arrive à le toucher. Alors ce qui est un petit peu chiant, c'est que selon la caméra, selon l'angle de vue, vous avez intérêt à rechanger la caméra régulièrement, sinon au lieu de courir, notre ami se met à marcher, ce qui n'est pas du tout pratique effectivement, pour prendre la fuite. Et décidément, il n'arrête pas de me toucher. Allez, où est-ce qu'il est? Il est là. Je suis un peu trop près de lui à chaque fois, hein. Donc c'est un peu laborieux. Alors l'avantage, c'est que vous avez vu, il y a une toute petite technique toute bête, c'est que lorsqu'il vous touche, vous pouvez après dans la foulée, voilà, boum, yes. Lorsqu'il vous touche, vous pouvez quand même lui mettre un coup. Donc je vais vous montrer ça, hein, la petite technique toute bête, si vous voulez accélérer le combat. Donc là, vous avez vu, je l'ai fait, on va dire, à l'ancienne. Et là, je vais faire exprès de faire toucher, comme ceci. Et je peux lui mettre une claque derrière. Voilà. Bon, ça permet un petit peu d'expédier ce combat. Hein. Il faut bien qu'il y ait un point positif. Vu que le niveau a été quand même un petit peu compliqué. Bon, il était quand même très long aussi. Hein. Très très long et assez délicat. Donc je suis content d'en être venu à bout. Surtout à d'avoir capturé les 19 singes du niveau sur 20. Alors voilà, les singes sont capturés. Juste pour vous rassurer, le dernier singe pour aller le capturer, quand on refera le niveau, il y en aura pour 2 minutes chrono. Hein, ça sera vraiment rapide. Qu'est-ce que c'est ? Passe-le-moi. Ok. Spike, tu dois connaître la situation actuelle. En ton absence, Spectre et son équipe ont attaqué la ville. Regarde cette image. C'est la base de Spectre, construite par les singes dans le centre-ville. La situation est catastrophique ici. Tu es notre seul espoir. Ton courage et tes gadgets peuvent arrêter Spectre. C'est possible. Nous comptons sur toi. Ah! Et que faites-vous ici? Arrêtez! Bon. Le professeur a pris cher, hein. Invasion de singes. Invasion littérale de singes. Bon, écoutez les amis, ce que je vous propose de faire, si ma mémoire est bonne, en lançant le prochain niveau, on va débloquer un nouveau gadget. Donc avant de se quitter, on va le lancer et puis bah écoutez, on va vérifier si je me trompe ou pas. Sinon, on se quittera à ce moment-là. Alors, pouf, temps présent. Donc déjà, on change d'air et de monde, en l'occurrence. Spike, j'ai fini de vérifier le nouveau gadget de Professeur. Essaie-le dans ta zone d'entraînement. Finis cette phase, sinon tu ne pourras pas passer au niveau suivant. Bonne chance. Ok, donc c'est bien ça. J'ai bien vu. Nouveau gadget, donc ma mémoire ne fait pas défaut. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On avance direct. On fait les petits tests avec notre nouveau gadget. Non, laissez-moi les monstres, laissez-moi tranquille. J'ai de quoi faire. Allez! Voilà, fais l'interrupteur. On va faire la même chose ici, en passant par le petit trou. Voilà!
Parfait. Bon, pas compliqué, assez rapide à faire. Et un nouveau gadget très pratique pour la suite. Spike, je vais t'expliquer la situation vu que le professeur et Cathy ne sont pas là. Tout d'abord, une partie de l'équipement du labo a été détruite par les singes casqués. Dorénavant, utilise la station temporelle pour commencer et initier une mission. Voici mes renseignements sur la base de Spectre. Apparemment, il a utilisé une usine et un bâtiment pour construire cette base au cœur de la ville. L'usine fabrique des outils pour conquérir le monde. Les plans de Spectre ne cessent de s'améliorer. La base est très bien protégée par des armes puissantes et inconnues. Pour arrêter les activités de la base, il faut parvenir aux centrales électriques. Il doit être caché dans un parc environnant. Ensuite, dirige-toi vers la base. Spike, sois très prudent. Ok, merci, merci, merci pour les infos. Allez, donc on va lancer le niveau. 8 singes à attraper sur 13, 3 pièces Spectre. Alors bien évidemment le niveau complet on va pas le faire maintenant. Ça nous permet juste de prendre un peu connaissance de ce nouveau décor et ce nouveau monde. En route. Mais on fera ça au prochain épisode. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode là. Effectivement il a été un petit peu laborieux là. Le niveau était assez long et assez compliqué très clairement. Pourtant je le connais quand même, hein, je le connaissais quand même. Mais écoutez voilà, on va pas baisser les bras, on va continuer. On va aller jusqu'au 100% du jeu comme je l'ai annoncé au départ. Et puis il me reste à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Ape Escape. Et sur ce, portez-vous bien tout le monde. Salut et ciao ciao.